piou-piou. Piou-piou dans le... Non, mais avec Fox, il avait un bon neutral. Ah, sur sa chaîne. Il faisait des piou-piou aussi. Ah, bah des piou-piou, forcément. Il y a un plus gros piou-piou. Mais c'est plus un piou-piou-piou. On verra ce que ça donne. En tout cas, Ditto Wolf, voilà. Finale de l'Evo. Finale de Ditto Wolf. Ditto Wolf, ça commence bien. Alors. Bizarrement, personne n'a eu. Alors que non, sans Bayonetta, tout le monde aurait fait un sort sur Twitter. Mais bon, on passera. Hop. Ah, ça commence déjà à miss grab. Ça... Par contre, je sais pas si je suis le seul, mais je mise énormément de grab sur Ultimate. Ah, mais c'est parce que les grabs ont été nerfés en général depuis Smash 4. Et ouais, c'est fou. Donc, en tout cas, bah, le bœuf qui, voilà, qui ne sait pas mentir et qui pour l'instant a toujours aucun pourcent de prix et qui. Est-ce qu'on va avoir un 0 to death? Va-t-il avoir 0 to death sur le Wanted? Ah bah non, si non, seulement non. Wolf avait une super armure sur cette Smash. Ah. Je pense qu'on entendrait encore plus de merde sur Twitter. Ouais, je pense que là on aurait cassé le jeu. Par contre, ce side kill qui fait quand même bien. Mais en tout cas, là, c'est acheté qui est revenu dans la game. Hein. Il dit attends, au début, attends, laisse-moi, je me chauffe les mains là. Voilà, on va se calmer. Et là, qui est un peu revient. La stall des shows. Et là, voilà. Il revient justement. Oh. Et Ce Don Smash de Wolf, à mon avis, qu'on va beaucoup voir. Et d'ailleurs, ce side B, tu vois, il fait très très peur à l'Edge Guard parce que. Wolf, une de ses faiblesses, c'est justement sa capacité à revenir sur le stage parce que, bon, il a un up B assez exploitable et le side B, tu vois, tu peux l'empêcher de revenir. Mais si tu te fais choper dans le sweet spot, même à 0%, t'as peu de chances de revenir. Mais c'est vrai, contrairement à Fox par exemple ou Falco, quand leur side B te faisait pas si peur que ça, au pire tu regardes des dégâts. Ah, mais là, pour aller chercher, ça fait peur. Hein. T'hésites. Hein. Et c'est ZHT qui arrive à prendre la première stock contre le bœuf. Voilà, qui a quand même réussi à revenir en tout cas. Pourquoi j'ai toujours cru au début que c'était un truc qui absorbait les trucs et pas qui renvoyait son shine à Wolf. Mais bon. Ah bah écoute. Oh, joli ce smash qui vient read là. Le jump get up. Le jump get up de ZHT. Un match assez serré hein, quand même. Ouais, quand même, c'est. Le Wolf Ditto qui est assez serré. Je pensais que le Wanted allait mieux se débrouiller que ça, tu vois. Mais finalement, c'est parce qu'il se débrouille mal, c'est surtout que le bœuf est présent hein, actuellement. Ah non, mais... Le bœuf nous fait vraiment un match très bien. Genre, il est bien calme. Il se dit pas quand même. Il se dit, j'affronte quand même ZHT. Voilà, je vais jouer patiemment. C'est ça. Et ça arrive très bien parce que là, il est toujours en 50-50. Hein. Il a jamais eu un moment où il était désavantage. Hein. Là, il y a une situation. Oh, et c'est ce down smash justement. Ce down smash de Wolf qui est génial en termes de frame data et en termes de couverture. Surtout avec la run cancel. C'est ça. Alors, le cancel, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le fait que vous puissiez faire n'importe quelle attaque à la sortie de votre run. Alors, par exemple, sur Smash 4, c'était pas possible, vous pouvez faire que le up smash et certains et moves. Et les spéciaux. Mais les smash et certains titres étaient impossibles. Maintenant, vous pouvez cancel n'importe quel truc après votre. La run, vous pouvez la cancel n'importe quoi. Et encore une fois, le down smash et ZHT. C'est fou que mon Wolf met des dégâts rapidement. J'ai pas vu cette stock monter, tu vois. C'est. You're good. Et ouais, bah Wolf a de quoi faire mal et a de quoi chercher partout, jouer défensif, jouer aggro. C'est un personnage assez all-rounded, c'est pas mal, c'est vraiment un personnage qui promet. Du coup, ZHT qui prend cette première game. Moi, je me le remets sur la dernière soc, le vœu a été vraiment submergé. Ouais. Il a bien tenu, mais il a lâché. C'est là où on voit le 3 stock. En fait, le délire du 3 stock, c'est que c'est beaucoup plus long. Et du coup, des fois, il y a des remontées ou des moments où le joueur lâche l'affaire au bout du deuxième stock. C'est ça, c'est plus comme... Enfin, sur Smash 4, parce que les games étaient plus longues aussi, donc... c'est pas vraiment, mais... C'est sûr que là, en fait, tu vois comparé le bœuf au début de game et en fin de game, tu vois que c'était pas la même chose. Et je pense pas que ce soit ZHT qui a été chargé, je pense que c'est vraiment, en fait... si je puis dire, un défaut du joueur là, qui n'arrivait pas, en fait, à garder sa concentration tout le long. Parce que c'est long quand même hein, le temps. Ouais, de c'est. Si tu mourir trois fois, ça fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que ça va counter pick Ditto Wolf encore? Non, encore un Wolf Ditto. Même couleur. Bah, du coup, on espère quand même que ça va mieux se passer. J'ai pas vu la map. Je crois que c'est Battlefield. Battlefield une deuxième fois. Ça change pas de map, ça prend une map normale. Peut-être, ça aurait peut-être pu counter pick une map en changeant le thème. Mais bon, c'est pas grave, au pire, ça joue les maps de base. Et bah, on va voir quand même ZNST qui se prend les premières poussées encore une fois. Vraiment, le bœuf qui a un bon jeu en tout début de game, qui arrive à trouver les ouvertures en tout début, mais qui va donc devoir essayer de garder cette avance et la ZHT qui lui, et par contre, oh, la prend. Il a plus son saut. Est-ce que... Si, il a son saut. Ah, si, il avait son saut. Il a son saut, il a son saut. Je pensais qu'il avait mangé le saut. Non. T'as Wolf qui paraît pas, mais il a un grab game présent. Hein, son... Il arrive à mettre ses petits pourcentages là, à travers son grab game. Il n'est pas inexistant le grab game de Wolf, ce qui lui permet de bien trouver. Il avait vu venir ce laser, il lui a fait bam, je te le renvoie.
J'ai un shine, il est là pour ça. Oh. Par contre, faut faire gaffe au pourcentage parce que là, on est peut-être dans les pourcentages du down throw to side B. Même si sur le terrain ça fait pas de dégâts, ça, c'est facilement take-able et ça tue pas. Ouais. Mais après, à voir ce qu'il peut. Est-ce qu'il va le tenter à ton avis en dehors du stage? Et ouais, ce backer qui vient prendre la stock avec une stock d'avance, ça peut se tenter. Ouais, clairement. C'est rarement tenté, c'est surtout en temps de comeback en fait. Ouais. Quand t'as genre, t'as genre 130% et que le mec en face il a genre 20%, 30%, tu le tentes et ça spike, t'as gagné, ça spike pas, t'es mort. Mais dans tous les cas, à la limite, tu vois, c'est plus un petit checkmate à la fin, genre ouais. En disant un tout ou rien, genre ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Et mais pour l'instant, les joueurs qui allaient pas trop utiliser. Il avait vu venir ce nerf, il lui a fait je vais t'attendre et bam, F-Smash. C'est F-Smash d'ailleurs qui. Oh, je pense que je suis appelé. Bah. Ouais. Bon, bah. Plaisir de commencer avec toi, Kirino. Ouais, avec plaisir. Et du coup, ouais, ce side smash qui fait parler, c'est ça qui a des particularités d'être safe quand vous tapez un shield. Mais genre, vraiment, genre, vous gardez l'avantage, c'est un coup assez impressionnant. Et le bug qui va nous le montrer, qu'on peut quand même le placer dans le neutral. Et en tout cas, ce back air qui va mettre le bug en position d'offstage, même si c'est bien quand même. Tempo, c'est vraiment ce qui est important de tempo. Et il side-beat très peu, on voit les Wolves, même s'il a ZHT qui met quand même une pression à l'edge assez folle, on voit quand même le niveau d'un top player Smash 4 d'un top 20 français qui monte bien collège, il prend la plupart du temps les bonnes options. Le bug qui galère un peu mais qui est quand même toujours là, hein. c'est le bug qui se laisse pas faire, même s'il a ZHT qui avait l'avantage depuis tout à l'heure, le bug qui va le garder. Et la back trop qui vient sceller cette deuxième stock qu'il laisse. Donc le bug à sa dernière stock peut-être de ce set. On espère pas pour lui, mais en tout cas Wolf quand même qui. En tout cas ZHT qui ne va pas se laisser faire et qui va vouloir quand même finir bien. Surtout qu'il va peut-être profiter de son rage effect. Le faire en faire encore. Oh joli, voilà le coup side smash safe on shield qui vient donc punir cette roll in de ZHT avec le down smash juste après. C'était vraiment très bien joué qui permet donc à le bœuf de toujours être dans la course, hein. Ça paraît pas mais là les deux wolves sont pas trop loin, même si la ZHT quand même a un avantage assez conséquent au niveau de la pression, mais le bœuf ne vraiment se lâche pas. En plus à son regard qu'il est concentré, hein. Il se dit pas c'est fini. Il est toujours là et c'est vraiment ce qu'il faut dire sur Ultimate, parce que sur Ultimate rien n'est joué, en tout cas le nerf tout side tilt qui va passer. Là, par contre ça va être compliqué le side tilt, est-ce que ça va tuer la Wolf qui est un peu loin? Oh joli ça, qui vient donc trouver cette edge. Là faut vraiment que le bœuf se sorte de ce pression et qui va ne malheureusement pas la finir. Et ZHT donc qui gagne ce premier match, qui garde donc sa prime de winner en battant le bœuf, qui emmène donc le bœuf en loser run.